Jean-Pierre ? Oui, docteur ? Faites entrer la patiente suivante. Bien, docteur. Mademoiselle, what a chat ? Jean-Pierre ? Oui ? Vous me ferez penser à m'acheter des cymbales. On pourra faire un orchestre ensemble comme ça. Connasse. Bien, docteur. Bonjour, docteur. Mademoiselle Watochat, quelle purulation vous amène ? Voilà, en fait, je viens vous consulter. Oui, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu me voir ? Ça doit faire un an maintenant. Je pue. Pardon ? Est-ce que je pue ? Un an ? Je pue les pieds du fromage ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Mais vous pouvez me dire ? Docteur, en fait, ce qui se passe, c'est juste que j'étais pas malade. Oui, ça se tient. Oui, oui. Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous voir parce que ça fait 5 ou 6 jours que j'ai une inflammation. Des seins ? Non. Oh, merde. Non, j'ai une inflammation des lèvres. Oh non, mais tu vas les laisser traîner où aussi, espèce de salope ? Non. Je m'en fous, hein, j'aurai la garde des enfants. Mais enfin, docteur, je vois pas de quoi vous parler, on est même pas mariés. En plus ? Oh, bah, c'est du joli, merci. Mademoiselle Autochat, je ne vais pas y aller par plein de chemins. Vous avez une purulation des graisses labiales. Oh là là. Ah oui, oh là là, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ce que je vous propose, c'est une petite opération bénigne. Hein ? Une petite opération bénigne. Je vais vous vider le trop-plein de graisses labiales. Et c'est une opération sans anesthésie. Oh, mais vous m'endormez au moins. Bien sûr, oui. Je propose d'aller en face, vous connaissez la place. Et surtout, vous vous calmez. Mais je suis calme. Bon, tant pis. Pince, paille, et stop, poire, mur, pas mieux, récipient. Cutter. Je vais vous faire une petite incision. Oh ben. Il était temps, hein. Il était temps. Alors, ce qu'il faut juste au début, c'est de pas mettre trop de rouge à lèvres. Hein. Oh là là. Ah là là. Ça devrait déjà aller mieux. Dis donc, ça manque de sel, hein ? Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci.